Après le décès du petit Émile, sa famille souhaiterait entrer en contact avec l'ex-médium de la CIA. Le major Edouard Dems, qui se présente comme un ancien membre de la CIA, affirme détenir des informations. Ce dernier clame depuis quelques semaines qu'il avait envoyé un mail au maire du Haut-Vernet depuis les États-Unis, indiquant la localisation du garçonnet bien avant la découverte de ses ossements. De quoi prendre en considération ses intuitions. Invité sur le plateau de Face à Hanouna sur C8 à plusieurs reprises, l'homme avait assuré avoir contacté en décembre dernier le maire du Vernet pour l'informer de la localisation du corps de l'enfant. Invité pour la troisième fois par Hanouna, ce dimanche 28 avril, le major Edouard Dems a révélé continuer de travailler sur l'affaire et l'animateur du programme a fait une grande révélation sur le plateau de l'émission. La famille du petit Émile a contacté un membre de notre rédaction afin de pouvoir entrer en contact avec vous. Après vos passages dans l'émission, a expliqué Cyril Hanouna à son invité, lui demandant s'il serait d'accord pour être contacté par le proche du petit garçon. Il répond « Oui, bien sûr ». Il y a toujours une question qui n'a pas de réponse, qui est la personne qui a percuté l'enfant avec la voiture.